obligation à tous les ministères, tout organisme public, de quelque nature que ce soit, qui a fait des subventions, d'envoyer à la présidence tous les 8 jours la liste des subventions accordées, les motifs de la subvention, les noms des bénéficiaires, les lieux d'exécution des projets subventionnés, le montant de chaque subvention, etc. Ces informations seront publiées dans le journal officiel de la République, le Moniteur. Nos maigres ressources vont désormais servir à résoudre les problèmes de la population et non à enrichir quelques-uns. Ce sera un premier pas en vue de restaurer la confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Mesdames, Messieurs les ministres, par-delà vos origines politiques, sachez que vous êtes là pour servir Haïti et le peuple haïtien. Peuple haïtien, PM, accepte-nous. Dans toutes les campagnes, nous te votons. Mais que dis-nous, nous avons mettre mon soleil, l'eau à toi ensemble pour développer le pays. Ça me dit, nous devons développer le pays avec ça, nous gagnons. Nous n'avons pas qu'à développer Haïti avec ça, nous baillons. Nous te disons que nous avons pris la bataille pour Haïtien de manger dans l'assiette avec l'argent dans la poche. Pour nous commencer la bataille, ça, il faut que nous payions un gouvernement. Je dis, avec l'installation du gouvernement, la bataille a commencé. Je dis que nous avons ça. Chaque membre du gouvernement, c'est le peuple qui va le gouvernement. C'est le peuple qui va le travail. C'est le peuple qui va le travail. Je connais le problème de l'opinion. Il faut que nous allions vite. Il faut que nous allions bien. Centime nous va le retirer dans la caisse d'État, assurez-nous que ce peuple-là lui a joint tout droit. Pas oublier, c'est nous qui venons pour rendre compte par le peuple-là de l'argent nous dépensé dans l'État. Ce n'est pas aucun autre monde. C'est responsabilité nous personnelle. Des journées de dia, je viens seul pour commencer par les résultats, pour montrer au peuple que nous voulons servir. Je souhaite nous un peu de courage, parce que pour moi-même, ma équipe, moi, c'est monter le gouvernement. Ça. On est passé. Ça a été opposé, vote de confiance au bail politique général et communiste. J'ai toujours dit, frère Maxime, député sénateur, que politique là, qu'on nous fait pour l'autre gens. Mais pensez, les païtiens, commencez, ouais, que politique commence à faire pour l'autre gens dans le pays. Ce n'est pas vous-même qui nous donnez un accord. C'est travail pour nous travailler un pour l'autre. Nous chaque nous sortons dans ces circonscriptions. Nous chaque nous sortons dans le département. Et nous passons dans toutes ces circonscriptions, nous passons dans tout le département. Nous comprenons le problème, nous comprenons le souci. Il y a nous-mêmes, il y a des exigences à la porte du gouvernement qui va le monter. Chaque sénateur,
chaque député a un problème pareil. Ils ont l'autre sénateur, quand l'autre député n'a pas compris le problème, pas l'autre, parce que chaque département a une configuration pareil. Chaque circonscription a une configuration pareil. On va mettre compter sur moi. Dans le travail, pour que, comme président de la République, le gouvernement a l'unité sur nous. Parce que nous avons dépêché sur nous, pas de dirigeants sur le peuple là. Parce que nous-mêmes, nous travaillons, nous circonscriptions pour nous bailler les résultats. Nous travaillons, nous département effectivement pour nous bailler les résultats. Je remercie le gouvernement sortant. Je remercie le premier ministre, M. Le maire et M. Grincal. Pour la collaboration que j'ai dans moi pendant 47 jours. Nous pouvons joindre une collaboration sans faille. C'est mes vignes, je dis que la nation haïtienne n'en comprend. J'en ai des villes dans la campagne. Mes vignes, c'est pour mettre sérénité dans le pays. Mes vignes, c'est pour mettre stabilité dans le pays. Pour nous travailler ensemble avec haïtien, ensemble avec haïtienne dans le pays d'Haïti, même nous-mêmes, nous n'avons pas une idéologie politique. Parce que Haïti, c'est de nous tous. Messieurs, dames, ministres, premier ministre démissionnaire, mes compliments, mes félicitations. Merci un peu. Voilà, je nous attendais là, président républicain Jovenel Moïse, hier après-midi, dans le palais national, le marché pressé, pour être capable d'y arriver dans la primature là. Donc, c'est comme ça que tu parlais, dans le moment installation, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et Jacques-Guy Lafontaine, qui lui-même semblait pape Jean Bouquet, dans affaires promesses, malgré que monsieur Lou, en pile, mais qui était confiant, très pessimiste, et qui croit que l'a capable, Mathéo, Jacques-Guy Lafontaine engagé l'autre fois encore pour le résoudre différents problèmes qui ont rapport avec l'éducation. Oh, l'éducation même, c'est un mandat. Résoudre problème d'éducation dans le pays d'Haïti, son mandat là. Donc, il parlait de questions de la santé, l'autre problématique encore, qui a fonctionné par contre goutte. Pour ça, pas de moyens dans le pays d'Haïti, c'est un coup les abats de l'eau dans la zone. Et oui, c'est matin, post-machin, Bélair, il dit, mais de l'eau à bail, tout le monde a couru, ça prend beaucoup, ça prend galon, c'est qu'on s'est senti, il y a dans le pays d'Haïti, les gens sous sang, ils disent, oui, c'est même ça, nouvelle, vini rapide, pendant qu'on a couru, on s'est senti, et puis après, on fait même, c'est comme ça, ça a fonctionné, il a fait un deal pour résoudre des problèmes, ça, yo. J'ai dit, a fait dépense, ololoy, gagote, dans l'État. Il va le freiner, ça. Un peu de télécommande. On va pouvoir freiner gagote, qui gagne dans l'État, ça. Donc, il a fait un deal, il y a une solution pour ça. Ben, il n'y a que d'attendre, on attend. Et faut que nous pas courir prendre au vent. On regarde. Premier ministre là dit l'a respecté promesse campagne à président de la République là Jovenel Moïse. Lui également dit gain un pile grand chantier qui va le relancer tant qu'on a production agricole côté va le fournir par agriculteur yo moyen qui adéquat pour capable fonctionner. Bravo Guy parce que affaire en dehors c'est vite à peut-être changer tout le monde. Apton nan men la province, mais province la kounya vin pa ka même bay tèt li parce que c'est même système à kayak lan, il a planté puis il a gardé dans l'air côté gamet mettre la blague de l'eau, c'est même vieux couteau d'igo manchette, vieux puis quoi j'en te connais longtemps et puis kounya agriculture nan vin perdre goût bouche net nan tête mon nan tout petit monsieur quoi il a cherche une moto donc il a bousqué la vie. Bien que en pile des fois c'est bousquer la vie détruire la vie et ça pas capable dans moto yo même yo prend route Chili donc dans un moment côté premier ministre dit nous pral exploiter agriculture dans l'autre façon côté nous pral commencer faire des Haïti youn parmi pays exportateurs d'enrées.
police pour ta tête d'or et pour ta gang ou a tué mon grandance, hein, mon a pas de tête pour gang ou. Grandance qui était grenier, c'est lui qui était voué yam pour nous, voué bon banane pour nous, voué mazon belle pour nous, l'âme pour nous, ou y a mon grandance, gang ou a pété fiel, yo. Premier ministre dit, donc, notre n'a pas tellement gagné, et on va le voyer là-bas. Natouille, parce que Venezuela a une opportunité, depuis nous bal Zabou, Kan bal Yam, nous bal patate, nous bal Moyok, la plongeant pour nous, pour gaz là, l'agent gaz d'Ande. Nous te gagoté ici, dans un Petro-Caribé, dans un petit maman doudou, petit papa doudou, maman chéri fait gaspillage, et nous tape plongeant pour diminuer d'être là pour nous. Comprenant, nous voyons aller l'autre bord. Nous t'a trouvé par Venezuela, on l'a pas arrêter nous pour d'être, parce que Venezuela, nous remplit le cop pour nous bail, parce que Caribe a monté sous tête non et la manne n'a pas tombé encore ou qu'elle est freinée Petro-Caribéen. De toute façon, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon Jean Odile là. Nathan PM Jacques Aguilafontaine qui avec on diacout chargé puis mal passé la Pologne bourré des promesses. L'était dans micro Mac Gesson Félistin hier n'a parlé national. Chers compatriotes, l'heure est grave et l'héritage est lourd. J'hérite de la primature à un moment où l'inflation est galopante, où la découpe de la goutte s'accélère à un rythme inquiétant. L'agriculture, le statut principal de notre économie, continue à perdre de sa compétitivité. J'ai le maillet à un moment où le peuple haïtien a faim, plus que jamais faim, à un moment où il désespère par rapport à son avenir. J'hérite du poste de Premier ministre, tandis que le système éducatif obsolète est dépassé par ses structures et son fonctionnement, ses sources, et que des milliers de professeurs tardent à avoir leur salaire. J'hérite de ce poste, tandis que le système sanitaire, manifestement inadapté aux attentes de la population haïtienne, est alité avec des convulsions récurrentes, tandis que l'environnement de nos routes principales, secondaires et vicinales constitue des sujets de préoccupation majeurs dans le cadre du maillage du réseau routier promis. J'hérite de la primature, tandis que l'énergie électrique, ce corps invisible, se raréfie de manière proverbiale, freinant l'élan de nos entreprises, tandis que la corruption est devenue la règle et l'éthique d'exception. J'hérite de ce poste, tandis que nos jeunes abandonnent notre pays pour des cieux plus cléments, tandis que notre honteuse dépendance de l'international s'accentue. J'hérite de cette suprastructure, tandis que la centralisation outrancière bat encore son plein dans le pays. Ce tableau sommaire de l'état de notre pays, loin de m'inquiéter, ne fait que me raffermir dans ma conviction de citoyen engagé et dans mon ardent désir de travailler à côté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour assommer le fatal, transfigurer, moderniser l'État et répondre aux pressants déshydratants du peuple haïtien. Mon gouvernement va, dans une logique conjoncturelle, s'atteler à maintenir le climat de tranquillité et de sérénité nécessaire à la stabilité du pays et à l'ouverture des grands chantiers promis au peuple haïtien par le président de la République lors de sa longue et interminable campagne électorale. À cet effet, le dialogue avec la société civile, les partis politiques alliés et ceux de l'opposition, le Parlement, la presse, les organisations de base, la communauté internationale sera constant, permanent et prendra la forme d'une coopération de proximité avec toutes ces entités. À ce prix, la confiance s'installera partout et l'apaisement politique tant souhaité en sera l'exploit. Mon gouvernement déploiera tous les efforts possibles et imaginables pour que,
dans l'attente des fruits des grands travaux annoncés par le président de la République, une ébauche de schéma de protection sociale à visée structurante soit implémentée pour calmer les esprits et les incliner à espérer. Pendant que le conjoncturel sera adressé dans sa forme et teneur à la satisfaction ponctuelle de la majorité souffrante et opprimée, mon gouvernement adressera littéralement les grands actes stratégiques des promesses électorales du président Jovenel Moïse, tels qu'ils sont exprimés à travers l'énoncé de la politique, de ma politique générale. Il mettra en œuvre, en tout premier lieu, le grand chantier des États généraux sectoriels pour pouvoir dégager les grandes orientations et donner corps à la grande réforme des secteurs. Mon gouvernement, en conformité avec la vision de changement prônée par le président Jovenel, son Excellence Jovenel Moïse, et suivant le cahier de charge qu'il se donne, inaugurera les grands chantiers économiques, sociaux, environnementaux, sans négliger d'accorder une importance primordiale aux grandes infrastructures de ce pays et la décentralisation. À ce propos, il prendra les mesures nécessaires pour élargir l'assiette fiscale tout en réduisant le train de vie de l'État. Il livrera une lutte sans merci contre la corruption. Naturellement, l'agriculture et l'investissement seront au cœur de la lutte pour la croissance économique dont l'administration Moïse Lafontaine veut se faire la championne. Dans un contexte d'entrepreneuriat agricole, l'accompagnement des agriculteurs en leur fournissant de l'eau, les semences, les engrais, des matériels et équipements, en leur octroyant du crédit, sera une préoccupation constante de mon gouvernement. Comme le veut le président de la République, mon gouvernement mettra en place un mécanisme qui favorisera l'autosuffisance alimentaire et générera un volume d'exportation adéquat. Les éléments de la production nationale, généralement quelconque, seront utilisés comme moyen de dynamiser la croissance. Mon gouvernement entreprendra aussi des efforts pour que le secteur de la santé, abandonné et négligé depuis trop longtemps, soit l'objet de grandes réformes, tant dans son organisation interne que dans son organisation externe. L'État haïtien mettra tout en œuvre pour offrir des soins de qualité à travers le relèvement du plafond des prestations à tous les niveaux du système. L'éducation constituera pour mon gouvernement un secteur prioritaire. Tandis que mon gouvernement se penchera sur les aspects fondamentaux et structurels de la réforme, il ne saura éluder le cas des milliers d'enseignants qui travaillent sans être payés depuis des années et celui des écoles régulières de PSUGO en difficulté de paiement. Il organisera des assises avec le secteur de l'éducation pour juguler ce problème qui n'a que trop duré. De l'énergie et de la sécurité qui constituent des éléments d'accompagnement incontournables dans lesquels tout développement ne peut être qu'illusoire. Mon gouvernement lancera une grande croisade dans le cadre de la distribution graduelle de l'énergie électrique et de la modernisation de ce secteur. Le président Jovenel Moïse, dans sa volonté de trouver des solutions durables aux différents problèmes du peuple haïtien, est en constante consultation avec moi sur les questions énergétiques
et nous espérons satisfaire, sinon totalement, du moins en grande partie, les attentes du peuple haïtien. En tant que chef du CSPN, je veillerai à ce que la sécurité, en tant qu'élément précieux de la stratégie de développement embrassée par le président Jovenel Moïse et moi-même, soit un luxe, mais un élément séculier à la portée de toutes et de tous. Avec la loi du Parlement sur le rap, l'enlèvement et le kidnapping, je veux que ces pratiques ne soient que de simples souvenirs pour le peuple haïtien. Enfin, la décentralisation sera au centre des préoccupations de mon gouvernement. Les grandes lignes de son opérationnalisation seront clairement dégagées à partir des états généraux du secteur, et ceci en harmonie avec les prescriptions de la Constitution et des lois de la République. Pour que toute grande œuvre nationale s'accomplisse, il faut une animation dynamique de la pensée, une animation féconde de l'esprit citoyen, une animation consciente du patriotisme. L'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de diriger est appelée à se dépasser en prouvant qu'on peut faire autrement la politique. Je veillerai à ce qu'elle se mette au travail avec autant de passion que de discipline pour les résultats d'envergure que je me propose semestriellement d'évaluer à partir d'une feuille de route qui lui sera soumise. Pour se relever et recommencer à étonner le monde, pour une rentrée effective dans le concert des nations, Haïti a besoin de faire valoir de son savoir-être et son savoir-faire. Pour y parvenir, elle a besoin de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Elle a besoin de toutes ses élites remobilisées autour du bien commun. Elle a besoin de la coopération de toutes les forces vives du pays et de la pleine exploitation de toutes ses ressources. Le rêve haïtien est possible. Il ne peut l'être sans l'unité de ses filles et de ses fils. Soyons allant un de l'unité nationale et construisons-la graduellement pour qu'Haïti puisse renaître véritablement de ses cendres. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. Et qu'il accompagne le PM dans sa incapable de relayer son cortège et donc promesses, etc. Ainsi par là que le Belgien pour le mettre en exécution. Donc, c'est PM, non? Le Premier ministre Jacques de la Fontaine, qui demandait pour bon Dieu bénir Haïti. Moi-même, demandé de mettre la tour, accompagner, parce que Samuel Gagné, est-ce que c'est traîner la traîner? Est-ce que c'est pousser la pousser? Donc, promession en pile, et non seulement promession en pile, ouais, monsieur, ça te fait deux jours là, plein sac de production. Et c'est dans la chambre députée, chaque, des fois, au monté. Donc, en pile, ça qui peut-être pas trop lourd, ça qui pas trop lourd, c'est la première circonscription de votre président. Et je ne sais pas la trine n'a pas cap côté. La trine n'a pas cap côté. Parce que, mais, l'oignon en pile, oui. L'oignon en pile, c'est à commencer la trine, bon, codigénie, quoi, première circonscription. Bon, codigénie, première circonscription, glisser sans fil, on pète la trine. Ou passer pour ce machin, on peut mettre la drine. Oh, l'empile, oui. Tout devant Saint-Antoine, non? Hein? Donc, moi, Saint-Antoine, on a mis de la drine. Faut mettre la drine. Montant, ou encore, dans Riel Sylvia, en haut, des fois, on mettait. Hein? Et, nous pensons, il va piti, non? Il va piti, c'est environnement. C'est tête chargée. Dans le moment même, on a dit, après, pour la drine. Oui, la drine n'a pas de problème. Donc, député a demandé pour. Premier ministre, mettez la trine dans première circonscription Port-au-Prince. Mounio besoin la trine. Tu vas le faire l'histoire avec Chilov Perrin.
je dis en lycée par pile ou bien nous pouvons garder c'est l'homme Ange Lid et qui a fêté ses papal dans des âmes Henri Lormé et qui m'a dit pour une pensée à clé c'est fait Ronald Xavier joue pour joue date pour date joue tant qu'aujourd'hui à chez Love Perrin joue pour joue date pour date aujourd'hui 22 mars 2017, bonjour tout le monde au Brèche Caraïbe FM, et c'est rubrique Pola, jour pour jour, date pour date, qui rentre la caillou. Pour commenter et suggestion, écris-nous sous jour pour jour, date pour date, à commercial, caraïbefm.com. 22 mars 1917, yon premier pays, Occident, les États-Unis, reconnaître le gouvernement russien qui était renversé sans là. 22 mars 1946, Jordanie joint indépendance li. 22 mars 1958, Aimé Césaire, fondé par progressiste martiniquais. Jour pour jour, date pour date. 22 mars 1965, États-Unis reconnaître qu'il était utilisé armes chimiques contre Viet Cong durant la guerre Vietnam-là. 22 mars 1972, yo banni discrimination sexuelle dans la constitution américaine là après 27e amendement. 22 mars 1973, général Soeharto réélu pour la 5e fois président indonésie. 22 mars 1982, force iranienne yo fait offensive contre Irak. 22 mars 2001, naissance Wikipédia francophone là. 22 mars 2004, Cheikh Yassine Mouri dans un raid israélien. 22 mars 2011, Conseil Sécurité Nations Unies prend résolution 1974 an, sous situation qui était en Afghanistan. 22 mars 2012, Conseil Sécurité Nations Unies prend résolution 2041 sous même situation qui était en Afghanistan. 22 mars 2016, attentat terroriste fait dans ville Bruxelles, dans pays Belgique, côté 32 moun qui mouri et 340 moun qui blessé. Jou pour jou, date pour date. Pabola Kainou, 22 mars 1801, Toussaint rassemble un groupe d'hommes instruits à 4 Dominicains pour préparer constitution lycée domaine. Yon personnalité qui fête le 22 mars, c'est Michel Hidalgo, joueur et puis entraîneur football français qui fête en 1933. Jeudi à, c'est journée mondiale de l'eau. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous jou pour jou, date pour date, à commercial caraïbefm.com. Voilà, c'est l'ancapé à rubrique pour Matéa, recherche, rédaction, présentation, Chilof Perrin, réalisation, Jacques Le Dossé. Jou pour jou, date pour date, yo jou, première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à Grèce Mondelan réveillé pour Matéa. Oh, chérie, ou trompé cané? Et pour du goût de la méon et pas fait ça, comme si ou pas comme obligation BRH. Obligation BRH, ça lié. Obligation BRH, là, c'est un nouveau produit de la Guinalaria qui a mis plus de dans la poche. Nous. La remplacer cob ou capé 10 ou goût de là, c'est au cadeau là à monter dans 3 mois. Et en plus, nous avons joué 7% d'intérêt clé par année. Donc, si vous avez 50 000 gouttes de journée, vous pouvez acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours acheté même $800 et puis vous avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% d'intérêt et puis en plus, si vous avez pour vivre les gouttes de perdia. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qui a pris des montées. Bon zon, William, fait que vous renouvelez là pour 3 mois encore. Oh. Allez chérie, m'en lage comme nos obligations BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garantie, yo papier di valet. Yo protège aussi au cas de la ta montée. Mande yo nan banque Paola, dans coopérative Paola, ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraïbesfm.com. On vient, nous, journal tout pays, on vient tourner un journal sans prendre souffle. Nous, même, on prend un petit souffle. Oh, bon, là, je commence à rentrer. Nous, on va faire piquer couler à l'égalé. On va faire bec fea. Donc, nous souhaitons que Balakov avec, comment il est. Résoudre des questions, ça, hein. Résoudre des questions, c'est ça. Donc, pour nous, capables, nous-mêmes, font respirer. Famille La Valance continue, condamnée, salvé les tentatives, attentats que t'as fait sous chef famille, hein. Journée lundi 20 mars, là, dans zone La Lue, après elle t'est sortie dans le palais de justice.
C'est pour la justice mener bon genre enquête sous AXA qui était visé l'idée historique parti, c'est l'ancien sénateur Yvon Feuillet qui fait déclaration ça dans micro Patrice Salomon hier. Le gouvernement, il y en a ça qui était blessé puis grave yo qui est les Jackson Noël, sont allé dans médecin sans frontières au Tabernet qui était prend balle dans poignet parce que il y en a dans et puis Gilles Depère il fait constat, il fait constat tout sous machine qui t'a transporté président résidence avec d'eau. Mais il assiste Balio, il fait constat de sang qui sous capot machine là, il était allé tourner dans lieu à tout pour y aller interviewer monde dans zone là yo. Et puis après ça, il y a monde tout qui était prend et vidéo en question qui montre effectivement c'est à des mondes qui habillés en bim qui cagoulé et puis qui était campé en machine bleue et puis qui tapait fait qui tapait tiré et actuellement famille Lavala s'est gagné un rapport avocat au fait et puis eux-mêmes comme ils ont un constat qui fait par un juge de paix tout bien suivi ils vont le faire au niveau de la justice et parallèlement famille Lavala même l'a préparé. Et il finit de faire consultation entre lui, nous finit de concerter, donc déplorer et ça fait là, et puis nous partager peine nous avec monde qui est victime, et en même temps tout, et nous demander pour gagner sérieux qui fait toute tentative d'assassinat pour joindre coupable, parce que si on fait action à quelques mètres du palais national, or il y a deux patrouilles police qui étaient là, ben ça fait devant JO, et 2h30 de l'après-midi, donc. Essayons un criminel qui posait son tentative d'assassinat et comme quand il y a nous-mêmes non gagnés, avocat non gagné et j'ai eu deux pères qui fait constat, gagné monde qui blessé et gagné monde qui ouais et qui côté un ami sorti, donc à ce moment on a fait le soin par autorité pour rejoindre criminel, chercher coupable, chercher associé, chercher complice et chercher monde qui voulait tout. Mais on a fait de certains nous-mêmes, et puis, monde qui en face la valasse, qui parle de la famille la valasse, un mec là, qui parle de la réussite, il a fait tentative d'assassinat. Il n'est pas allé comme un complice, ou bien comme un inculpé, ou bien comme un quelqu'un, allé comme témoin. Il est arrivé à 10h, il fait plus que 2h de temps, il fait plus que 2h de temps en dedans à poser une question. Et après ça, maître Mario-Joseph est intervenu, il était dit que, il n'y a pas pris encore, et ce dossier, ça, information était besoin, lui-même, lui partager, mais comme institution secrète, il n'est pas capable de révéler, mais il était dit que dans le cadre du dossier, ça, il va prêter encore. Voilà, je note à peu près de l'an, Yvon Feuillet, qui lui-même tape pour tes précisions, amis auditeurs, sur ça que t'es passé, cortège Jean-Bertrand Aristide Lan, dans la lue, le jour, il tape sorti devant juge instructeur Lan, Wilner, Jean-Wilner Morin, et donc, il tape essayé pour tes précisions, nous espérer que autorité policière, lui-même tout, il a apporté plus éclaircissement, autour des questions ça pour nous connaître de qui s'allier exactement. Président Sénat République là dit les quimbé déclarations qui sortit dans résolution Sénat et voté hein, pour remplacer agent ministériel par une force militaire haïtienne. Nouveau ministre de défense là a dû former environ 500 militaires hein, dans l'idée pour augmenter officiers déjà formés et une façon pour remplacer mission Nations Unies hein, d'après sénateur Yuri La Tortue tenant micro Lydie Alexandre. Le Sénat avait joué son rôle. Je dis à HM député à jouer rôle. La résolution, c'est un vœu de l'Assemblée. Et la résolution n'est pas contraignante. On est constitution. Le vœu d'une assemblée politique. Oui, moi, parce que pour nous remplacer ministre-là, je l'ai dit au représentant qui est en Haïti, pour remplacer la ministre-là, qui était gagné. Et la police étrangère et des armées étrangères, il faut notre police nationale et les forces armées d'Haïti. Déjà, nous gagnons 150 d'officiers et de soldats en Haïti. Ce gouvernement, à travers le ministre de la Défense, doit voir comment année ça a pour nous former et arriver environ à 500 militaires, c'est-à-dire d'officiers et de soldats. Il n'y a aucun pays qui a fonctionné sans que le paquet force de réserve, ça, sans que le paquet force pour la sécurité nationale. Représentant secrétaire et secrétaire général adjoint Nations Unies, pas de compte à l'ND deal, mais nous mettons nul parce que lui-même, l'a géré question Nations Unies, nous-mêmes, l'a géré au pays.
Et je vous dis, en tant que responsable, en tant que président du Sénat, nous devons organiser notre force publique parce que c'est là où on police professionnelle, c'est là où on armée de métier qu'on a bien investissement dans le pays. Que bien on a protégé. Et là, ça a tout le monde a demandé nous. Est-ce que qui l'a fait emploi, qui l'a fait création de richesse, et ont même essayé de vous venir aider, c'est nous pour prendre responsabilité, nous. Cette responsabilité est la nôtre et nous comptons et la prendre dans le sens il faut professionnaliser la police dans ma présence et mettre sur pied l'armée de métier qui non seulement à plat. En temps normal pour protéger l'investissement pour les gens qui viennent dans le pays, mais deuxièmement, à plat pour les catastrophes naturelles, puisque côté nous situé, les périodes cycloniques arrivées, Haïti exposé, et nous pas besoin que l'armée dominicaine, l'armée colombienne, si vous venez aider, nous aurons notre armée sur place pour venir en aide à nos frères et sœurs ici. Voilà, Jean-Noël Tapet de l'an, président Sénat, sénateur Louis La Tortue, Namiko, collaboratrice nous, Lydie Alexandre hier, Jean-Noël Tandéan, président Sénat, fait connaître que déclaration qui sortit dans la résolution Sénat a été votée pour remplacer agent ministère par une force militaire haïtienne. Nouveau ministre défense a formé environ 500 militaires dans l'idée pour augmenter officiers qui déjà formé et une façon pour remplacer mission Nations Unies. Comment ça va le faire? Est-ce que n'a font retour avec l'armée d'Haïti et qui vient de Bralrelil côté pouvoir bralier côté balisé côté lisier avec la police nationale et qui mission face avec la police nationale qui le lui-même l'a capable intervenu qui est la police nationale l'a capable intervenu et qui budget cap gagné disponible pour lui et qui côté il va prendre l'argent tout ça est important malheureusement son coûte déclaration nous espérer très prochainement, n'a pas gagné président Sénat, sénateur Yuri Latortue pour capable de nous plus explications. Est-ce qu'il y a une rubrique dans le budget qui sera disponible pour ça, puisque nous connaissons que vous voulez qu'on parle. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, son budget rectificatif seulement l'a pas gagné pour la PIL, parce que dans mi-temps, côté nous y est là, nous sommes en mois de mars, ou pas qu'à parler des budgets qu'on y a là. C'est tout simplement quoi que il y a épuisé près de 40% dans le budget, et donc c'est 60% qu'après maintenant mené. Et c'est yo compte comment yo pral faire ça. Si nous te joignons le sénateur Louis La Tortue, c'est très très important, mais malheureusement nous fait des marches yo pas abouti probablement sénateur. Donc si une possibilité que vous capable briller nous, c'est très important pour nous capable dissiper nuage yo pour population connaît que c'est pas des déclarations qui a fait pour son forme nationaliste ou pas, mais non. Et ça demande yo est-ce qu'il y a des provisions légales qui côté nous pourrons jouer l'argent, qui côté dans le budget, dans qui rubrique nous prenons encore blanc, et qui gens nous pourrons faire pour mon yo, est-ce que c'est des volontaires n'a pas prendre comme ça là, soit en forme ou soit en l'autre, eh bien, nous avons 500 militaires, et puis talent, il n'y a pas touché, talent, zam nan men yo, talent, on prend la rue, donc l'autre là, dédié, nous avons zam, monsieur, nous avons zam, dégagez nous, baille tête nous, la mangeaille. Donc, ça ne va pas, vous faites avec tête. Reposer, pas faire avec aucune émotion. Donc, ça fait que nous sommes bons pour nous faire un petit échange avec le président Sénat, qui est toujours souvent très jovial dans ce sens-là. Nous espérons que, avant le journal la fini, avoir bien plus d'explications autour de l'intervention. Sans nouveau inspecteur police, recevoir diplôme, yo, mardi 21 mars, là, dans l'Académie police, là. Cérémonie sa fête dans le cadre de coopération canadienne avec la police nationale. Dans l'idée pour former 2500 inspecteurs dans une période de 6 mois, reportage Lydie Alexandre. Déjà, il y a 2500 inspecteurs qui ont exercé profession yo, pourtant, il n'y a pas de formation qui est appropriée à quoi yo. C'est un objectif pour résoudre le problème ça, police nationale là, dans tête collée à coopération canadienne, former un deuxième cohorte inspecteur. Formation ça pour permettre PNH là, une propre académie li, dans l'idée pour permettre institution policière répondre à différents défis à faire face. D'après directeur général police nationale là, Michel-Ange Deyon, qui exprime satisfaction. Nouvelle vision qui a dégagé au niveau PNH là, sur renforcement capacité de leadership et commandement du réel. Ça le dit, on a continué à avancer dans ce sens-là. Nous avons déjà dit dans le discours maintenant, agents qui jouent un rôle important dans la structure, dans le dévouement et détermination. Nous avons un commandement lui-même qui a fait conception, mais nous avons besoin d'inspecteurs
qui se calife l'idée, qui prend l'autre gabaille et assure que bien exécuté par les agents. Donc, il est important pour nous de renforcer la capacité de leadership et de commandement. D'après le directeur Académie Police, la formation en Techita sous divers domaines, parmi eux, gestion ressources humaines, éthique et déontologie métier. Formation inspecteur sa yo respecte norme n'importe formation cadre supérieur dans PNH là d'après directeur français Moreau. Inspecteur sont venus c'est des gens qui ont une somme d'expérience déjà dans la pou. Yo gen des bagages que qu'on apprend faire sur le terrain, expérience potentielle de bagages ba yo tout, mais jodi aller au vin dans académie, nous prenons ensemble de compétences ça yo, nous mettez en contexte, contexte situationnel dans contexte théorique pour capable ouais qui théorie qui guide OK action policière là qui est capable marcher avec chaque action que a posé ou chaque expérience que vous avez fait sur le terrain. Président Sénat République là Yuri La Tortue qui était présent dans cérémonie graduation ça promet libre travail pour bail PNH là plus moyen fonctionnement dans sens ça sénateur Yuri La Tortue bail garantie grand corps après le travail sur une proposition loi dans l'idée pour augmenter gris salarial qui approprié à travail force l'audio. Le budget à venir pour nous recommander moyen, surtout la mission actuelle c'est de mettre sur pied l'académie de police, chercher moyen, et surtout, même j'ai noté fait le juge qui a un salaire dérisoire, noté fait la loi sur le statut des magistrats. Moi, je pense qu'il faut nous faire en loi, faire que policiers, sur les stations, loi sur le statut des policiers, qui permettent que justement, policiers, ils ont un gris salarial qui est comparable à juge, à commissaire, à juge de paix. N'a précisé sur 2500 inspecteurs qui doivent recevoir formation ça, qui a duré 6 mois. C'est seulement 200 qui déjà formés à recevoir diplôme yo. Ça pas empêché 2500 inspecteurs ça yo sous terrain à exercer profession yo. Lydie Alexandre, Caraïbes FM. Merci Alexandre. Directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, dit qu'il prend responsabilité et la chemelle pour agent la police dans l'arrestation sénateur élu Gandastan Guy Philippe. Michel-Ange Gédéon, qui a réclamé support aux autorités concernées, reconnaît selon enquête qui menait, découvrir dossier de là et commencer dans le pays. Ah, bon, robinet qui est fermé. Je senti ça, je suspecte ça, et pour ouais. Bah, il commence à faire gros klaxon comme ça. Je me sens activité à fonctionner. Je dis, va ouvrir. Et donc, les tout profiter dans son appel. Bah, monsieur vieux, monsieur dame vieux, monsieur. Ou dit, oh, t'es que flin, prends main, yo. Attention, pas capon. Évitez mignon. Passez mandé, pardon. Michel-Ange Gédéon, dans le micro, Lydie Alexandre. Sous leadership PAM, PNH là, l'idoué yon institution respectueuse des lois. Nous, pas fait loi, nous, pas fait accord, nous, pas fait traité, nous, pas fait convention. Rôle pas nous, tout simplement, rete nos cadres d'exécution et de faire respecter et de faire appliquer la loi, les lois. Autant dire, toutes les actions posées par mes hommes dans le strict respect de la loi, moins endossées. Et je dis, m'a dit nous très honnêtement, fort de yon tournée que nous avons fait qui est, fort de plusieurs saisies de drogue que nous faisons dans le pays, nous sommes capables de dire que la question du drogue, les préoccupations concernant la drogue dans le pays, ils sont réalité. Et nous-mêmes, nous entendons attaquer drogue là sous toute forme. Et nous entendons arrêter quel que soit le monde qui est impliqué dans drogue. Je dis, nous avons besoin à ce que tout acteur, quel que soit acteur, tout le monde qui est conscient des problèmes, nous supporte nous au lieu que nous venions avec des mesures qui tendent à affaiblir l'institution. Et je vous donne la garantie, sous mon leadership, la PNH doit être forte. Voilà, je note pas de lancer précision, directeur général de la police là, Michel-Ange Gédéon, hier, dans l'académie police là. Donc, je ne sais pas de lancer, Michel-Ange Gédéon dit les prend responsabilité
tout ça qui t'est passé, yo. Et lui dit, messieurs, dames, mauvais messieurs, qui pas kawé drogue là, vrai pour pas couper le coup de jet, dit yo, fais respect yo, parce que y a pas arrêté garçon et femme, qui impliqué sérieusement dans dossier drogue là, dans la coupe d'Haïti, quel que soit couverture à partir d'un saut, depuis c'est dans bah, ça, ou fourré quoi, ou à, joindre à Kazo Grand. Donc, c'est un message. Michel-Ange Gédéon lancé, on l'a guère averti, pas tout le cocobé, mais faut que cocobé à lui-même, les pas rebelles. Parole Michel-Ange Gédéon. Et puis, avant nous recevoir sénateur Youri La Tortue, président Sénat, avec lui, nous pourrons aborder en pile point. On colonel, on commandant, donc tout ça yo nous doit connaître yo. Et comment on a capable faire ça tout avec ancien militaire yo? Est-ce que ancien militaire yo capable protocoler? Et ça nous remet donc l'homme de ce auditeur journal tout payant depuis nous manqué cité c'est fait qu'on a ce auditeur. Donc bravo avec président Sénat, sénateur Youri La Tortue, n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour président. Bonjour Bob, bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe. Et c'est toujours plaisir pour me participer à l'émission Savoir. D'accord. Président, vous êtes dans la cérémonie d'installation hier dans le Palais National, c'est ça? Oui, je suis dans la cérémonie d'installation, c'était hier après-midi. D'accord. Donc, en fonction de tout enjeu qui vient dans la société, les grands défis, et dans la société, en gros, dis-nous, non, bien que nous connaissons même réserve, y a toujours, vous pas capable de faire passer, comme président, Corlan, qu'on y a, matin, dans le journal tout pays, dis-nous, comment, ou même, ou comprendre, énoncer politique, là, en profondeur, qui analyse ou fait de l'équipe, point fort? Énoncer politique et général, premier ministre, là, c'est un texte, nous pas dit, qui reflétait, grande ligne de sa premier ministre là, t'as voulu faire, et comme premier ministre. Mais, moi-même, moi t'ai dit, depuis au commencement, moi t'ai gardé, énoncé à, l'idée très théorique, moi pas trop chiffre. Okay. Comment que l'y pourra le faire, yo. Et m'a trouvé en état de situation, janvier qu'on y a, pour t'a dit que, mais comment lier et mais comment, mais côté nous va arriver. Ok. Et c'est peut-être ça, moi, t'ai dit, et premier ministre, ça, il faut que, les compléter et énoncer, parce que, le fait que pas un chiffre et que nous, good là, l'a dévalué, ça veut dire que, pas qu'on est avec qui ressources, il va pas être clair ressources, yo. Ok. Mais, de toute façon, l'idée et la parole qu'elle t'a parlé, qui part dans le papier, elle dit que l'y comptait sur non seulement aux sources nationales, mais sur en série d'aides internationales que le rejoignent. Mais moi, quoi que, et fort premier ministre là, et lancer une feuille de route qui vient chiffre la donne pour compléter non c'est puisque tout le monde est en confiance par rapport à la déclaration pour que vous connaissez côté au soutien et côté au parler. Mais j'aimerais te dire là on a démocratie majorité a c'est lui qui tranché et malgré j'ai quelques faiblesses majorité a été convaincu de bonne volonté premier ministre et il vote. Donc il est le premier ministre, il est le chef du gouvernement. D'accord. Jeudi à nous en fin mois de mars, jeudi à nous 22, premier ministre non, arrivé dans un moment côté nous capable briller un moment d'épuisement du budget. Budget là étant à exécution et s'il y a vraiment entré dans le budget en profondeur, son budget t'a supposé à 40, 45, même 50% est dans l'épuisement. Et en fonction de toute promesse, Premier ministre, dis-nous, non, ou même comme président Sénat de la République, qui ça, Premier ministre, doit faire? L'a vini avec un nouveau budget, un budget rectificatif devant nous? C'est ça. Moi, je pense que immédiatement, il faut venir en budget rectificatif. Pour deux raisons. Bon, première raison, c'est que
sa premier ministre l'a dit que le voile faire, c'est pas ça qui était défini en octobre. Okay. Donc, si les gars ont l'autre programme que voile appliquer, faut l'État rebalancer moyen, yo. C'est-à-dire que les cobles l'ont retiré en côté, l'ont mis dans l'autre, en fonction de nouvel objectif. Ceci est normal, et ceci est légal. Et Parlement doit attendre à ce second budget rectificatif qui vient joindre, en fonction de notre politique générale, là. Mais, deuxièmement, et gagner peut-être aide internationale là qui était bloquée. Okay. Il y a des prévisions qui font dans l'Union européenne pour avoir une aide budgétaire. Gagner des pays qui étaient par rapport à la situation transitoire là, qui partent et débloquer aide. Eh bien, quand vous, par exemple, des organisations comme la BID, parce que avec le nouveau gouvernement, et avec le nouveau gouvernement légitime, là, il va le débloquer. Donc, l'ICA a ajouté ça avec ressources à l'IO. Okay. Et que l'IO rebalance ses budgets. Mm-hmm. Mais la seule chose, vous connaissez, en général, le pays, ça, vous promet, de l'air vous promet, là, à l'heure des questions, ça compte prendre pile temps. Okay. Donc, dans ce sens, il faut que vous gardez exactement qui ressources réelles qui est pour que vous balancez budget rectificatif là. Mais de toute façon, quelle que soit ressources nationales ou ressources internationales, moi, je pense qu'avec dévaluation de la goudla, le pays a une situation extrêmement difficile. Et fort, peut-être président Zilière, fort, yo, Marie Renyo, pas de gaspillage, puisque côté nous, là, moi, quoi que, l'autre, il y a un goud, l'autre, il y a un dollar qui est égal à 50 goud, et puis qu'on y a qui vient basse à 70 goud, c'est-à-dire, on vient gagner presque moitié de ça ou des caprivois. Tout à fait. Pour faire même projet. OK. Donc, c'est bien. Donc, jeudi, hein, et surtout avec inflation, hein, tout, qui ont inflation galopante, donc, d'où la nécessité réellement, j'en se dis là, pour le Premier ministre, non, lui-même, venir avec des justifications, valables pour capable prouver que les gombés, les besoins budget de fonctionnement, et là, vraiment, c'est pas un budget rectificatif, tout à fait. Nous, pas chita sous, deuxième résolution. On a pris la première résolution, parce que deuxième résolution, Sénat, code pénal, là, déjà, clé sous les déjà, calomnie, diffamation, etc. Donc, tout dépend dans quel contexte vous prenez. Pape Chita Souli. On allait dans la résolution Sénat, en ce qui a trait avec sénateur élu Guy Philippe, qui lui-même en contravention avec la justice américaine. Et comment comprendre accueil résolution par la communauté internationale, les États-Unis, entre parenthèses? Et alors, premier ça qui votait à Bob, c'était une loi sur diffamation. Oui. C'est pas des résolutions. Alors, nous votons la Chambre Sénat, nous transférons la Chambre députée. D'accord. Et si Chambre députée vote dans le même thème, la vie dans loi. OK. Il va voter, la retourner dans le Sénat en deuxième lecture pour que nous-mêmes, nous regardions sa Chambre députée à voter. Et si nous d'accord, le ça, la vie dans loi. Merci beaucoup. Pour dire, résolution, c'est justement gros différence à guerre avec loi. Mm-hmm. Dès que c'est loi, elle est obligatoire, elle est exécutable sur tout le territoire. Laisse résolution, si on veut de l'Assemblée. Okay. Si on veut de l'Assemblée qui va avoir une force contraignante. Donc, si résolution, il n'y a pas force contraignante en Haïti, on va besoin demander qui force les gagner pour payer l'étranger. Donc, dans ce sens-là, Assemblée a exprimé on veut par rapport à événement activé, à arrestation sénateur, et lui demander par rapport, justement, à l'arrestation qui a été faite là, que, justement, l'été mal faite, et que l'IT demandait au gouvernement pour agir pour que le sénateur a retourné dans le pays. Dans ça, l'Assemblée a été exprimée sous la forme. Il va exprimer sous le fond. Le fond. Il va dire que le sénateur n'a pas impliqué ou non. Mais l'IT dit que la forme n'a pas bon, puisque le sénateur a élu, puisque il a été le papier que le document était correct. Donc, lui pensait que c'est pas dans le moment ça pour le faire. Mais l'Assemblée a pas d'exprimé sur le fond de l'affaire, puisque en général, le fond, c'est le pouvoir judiciaire qui a le droit de dire est-ce qu'elle est impliquée ou non. OK. C'est ça. Donc, c'est normal que la communauté internationale, là, lui-même, lui réagit comme ça, puisque, alors, il touche sur un pays États-Unis, parce que son résolution qui va impliquer lui-même dans rien, même au niveau de pays, a résolution par une force contraignante. D'accord. Dis-nous non. Qui explication même comme président Sénat de la République ou capable de bailler avec la République avec auditoire première occasion yo, sous diverses interprétations qui a fait la société autour de cette résolution
et gen même moun ka les plus loin et au baile nous saute passer dans reportage avec autre toi qui t'a même fait comprendre que résolution Sénat son résolution qui témoignait que Haïti jeune jeudi a voulu prendre indépendance en terme de narco état. Et est-ce que c'est pas trop fort ou bien sont mes interprétations qui ont qu'à expliquer et qui ont capable de dissiper nuage là pour moun sa ou qui pas comprendre résolution. Alors bon qui voulait prendre indépendance li en terme de narco état. Oui oui, que... oui oui il voulait dire bon nous c'est un narco état donc quittez-nous dans un fait nous oui, pas oui, nuit nous pas tourmenter nous pas emmerder nous. Bon et bon premier bagage m'a dit moi j'ai un pile monde qui a réagi par rapport à parlement. C'est malheureux que nous gain réaction ça yo et un pile monde qui soit et participé dans élection ou non ou bien qui gain problème mon député ou sénateur et bien qui profiter à ce moment que parlement dans situation de nous qu'a dit des soit de difficulté ou bien situation contradictoire profiter à shooter son institution ça et bien et m'gazo vraiment à tort et à travers et me pense que justement son situation que nous déplorer et même au rivé joindre des anciens premiers ministres qui campé qu'a dit que oui li connaît gain drogue dealer dans parlement alors que moun sa yo là où était sous pouvoir justement était qu'on collaborer à tout parlement et parlement justement là pour un tabon à contre yo je dis a yo gon sorte d'égritude contre parlement moi pense que première réaction ça yo nous mettons nos poubelles puisque c'est des réactions personnelles ou du moins des moun qui par rapport à une situation qui était dans le parlement yo gon ba reprocher et au mal agi. Gagné d'autres monde qui réagit de société a que me pense c'est normal parce que tout acte que parlement posé et en général sont actes publics et tout le monde a droit critiquer. Il y a des réactions qui viennent côté que le parlement a par exemple voté loi sur diffamation, la presse réagit, parlement a droit à pas pour opposition. Moi pense que c'est normal et nous-mêmes le ça nous parler pour nous chiter avec moun sa qui de bonne foi pour nous corriger pour nous aller puisque nous sommes institution et je crois que toute institution c'est moun qui l'a dedans et moun qui fait pression et faut nous d'accord que nous en démocratie yo ka critiquer nous. Deuxième groupe moun sa yo moi pense que le normal et nous parler pour nous chiter avec eux. Mais moi crois que à travers résolution m'a profité expliquer que je dis à un sénateur élu qui est arrivé dans situation ça. Les collègues ont pensé que c'est pas dans le fond que y'a un problème. C'est pas que les collègues ont dit que Guy Philippe pas dans drogue, ou bien Guy Philippe dans drogue. Non. Les collègues ont dit que genre que arrestation fait là, par rapport à même l'État, ça a quitté Guy Philippe papier, pour l'élection. Il a dit que c'est normal au niveau de DCPJ. Et que, comment fait que je dis à, après que le fidèle au fin balbavi a dit il était grand mandat c'est le grand mandat il va la supposer balpier donc c'est dans forme là que collègues yo même yo réagit et pas ce grand pile monde qui comprend ni mais de mauvaise foi justement et pour accuser parlement eh bien yo justement agit comme ça parler comme ça même quoi que dans même résolution ça parlement dit que yo va déployer tous les moyens par la police pour toute institution pour combattre drogue et que pour que justement à jamais et que phénomène ça eh bien il y a réel de territoire national là donc d'accord. Je dis à une résolution il y a cinq articles si mon yo prend un petit temps pour yo garder ça de bonne foi yo eh bien il y a comprendre facilement l'homme de mauvaise foi justement ces institutions veulent attaquer bob c'est difficile pour changer parce que l'a toujours jeune moyen pour que li chouter sur parlement. OK. Et gen moun qui aller dans des analyses qui pas trop méchantes mais qui plus réalistes qui dit que yo t'ai plus pensé que nous t'a venu pour dans résolution hein, pour nous demander réévaluer encore Préval Albright là parce que il y a des préjudices
qu'elle posait avec des compatriotes. Et ils ont même allé pour faire connaître que Jean-Nouvin Fellin, je dis, les plus ont résolution partisane qui visait tout simplement bah, une couverture légale, une couverture de protection, si vous voulez, avec le sénateur élu de la Grandance, Guy Philippe. Mais sans pour autant, nous pas mettre des projecteurs sur un bon monde qui est victime déjà de situation ça. Et au même point que il y a des innocents qui payent dans place coupable. Je prends par exemple l'ex-commissaire Ivan Briand qui lui-même est arrivé aux États-Unis, qui descend en ballon mer et puis après aux États-Unis vient rendre que les comptes que Ivan Briand pas de rien pour ouais avec question ça. Il on continue pas de réévaluer à quoi, c'est une bonne chose parce qu'il y a des impairs que le causer avec un bon monde, des préjudices et puis pas réparation bail avec monde ça en après. Qui sont capables de dire ça parce que vous savez bien expliquer lui. Mais entre le fond et la forme, c'est des choses. Nous-mêmes, nous statuons sur la forme, mais nous pas entrer dans le fond en profondeur. Et bon, moi, je crois que dans la résolution, le premier article-là, il demande justement pour le gouvernement réagir contre tout Haïtien qui a été arrêté illégalement. D'accord, pas contre ça. Article-là. Ok, merci beaucoup. Et quatrième article-là, il demande pour renégocier. À une convention, Madeleine Albright là avec président Prival là. Okay. Ça veut dire que protocole et résolution, moi pense que m'ta faut faire. Oui. Merci un peu. Moi pense que si moun yo prend si temps pour yo li, y a vraiment nous prend position pour tout monde qui a été arrêté illégalement. Nous mande renégocier résolution. Résolution. Hein? Et tout ceci fait partie de 6 articles que résolution gè la donne. Okay. Et ceci fait environ 15 heures de temps de discussion. Puisque nous t'ai commencé justement dans lundi, côté que nous t'ai passé environ 12 temps, et avant que le Premier ministre là t'ai venu descendre en bas, encore nous t'ai passé 3 heures de temps sous lui. Okay. Moi quoi que je dis à ma foi je une résolution et on copie et me pense que en pile l'autre mon agen puisque me pense que gagné vraiment en lecture qui pas faite de résolution puisque mon priorité sous peut-être au seul point et point Guy Philippe là alors que résolution l'était grand aspect général par rapport à tout le monde et j'étais arrêté dans condition ça par rapport à convention et spécifiquement l'idée impliquée Guy Philippe dans Kassa comme sénateur élu. Très bien, sénateur. Et dis-nous, non, qui côté vérité en y est exactement? Puisque il y a des informations qui révélaient que sénateur élu Grandance, Guy Philippe, il était inscrit comme candidat au Sénat, département Grandance, sans le pas de bail, oui, certificat oui. Bonne vie et mieux. Alors, c'est une information fait qu'on a que DCPJ dit le mandat pour Guy Philippe, mandat international, depuis un bon bout de temps. Comment fait même DCPJ ça? Délivrer le certificat bonne vie et mieux pour l'inscrire dans le conseil électoral provisoire. Ou qu'a dissipé nuage pour nous? Là, il y a deux institutions pour nous aborder des questions. Le CEP, puisque ou pas gain droit inscrit, son pas gain DCPJ, dans l'article 90 et loi et décret électoral là, il est clairement dit, il faut gagner papier ça. Donc, s'il va gagner, moi, je pense que c'est CEP là qui a un gros problème. Deuxièmement, et moi, je pense que au niveau DCPJ, et justement, là encore, Fonda pose des questions. Est-ce que vraiment l'été baillé ou l'été baillé? Mais d'après ça que nous t'apprenons nous-mêmes, c'est que le dossier a l'été complet. L'été qu'il y a toutes pièces. Mais c'est la première fois que je me que parole ça. Même parce que l'inscription est faite et là ça, oui, nous songeons, et t'es grand pile monde est tombé parce que même l'autre baillé papier à ce bat notariel, oui. Il était considéré que papier à l'ipa c'est pas vrai, correct. C'est vrai. Donc, ça veut dire que, soutenant qu'on papier, elle était beaucoup plus grande. Donc, moi, quoi que, là, Fonda pose des questions à CEV, on a vérifié. Mais d'après ça, me déconnais, CEP qui était là, t'es vérifié, était jeté en pile monde pour question papier. Soit on t'a manqué un, ou t'a manqué deux, ou bien on va être notariel. Ok. Alors, si pour la DCPJ, Guy Philippe était de bonne vie et mœurs en 2016, et puis il dit le mandat international dans Mani, depuis dans les années 2014-2015, donc là, on véritable bon flou total capital. Bon flou, et sénateur, t'es réagi par rapport à la forme ça. Ok. Je dis si dans la forme là, t'es il faut que vous-même, vous croyez que. Faut y être attaché à dernier papier que des CPJ te baille là. C'est bien, c'est bien. Donc, eh bien, sénateur, en rentrant dans causer que qui fait me relou directement, mais bien avant. Bon, l'autre flou encore, et en pile mon opinion est sous par contre, comment comprendre? Il dit que si ça prend le constat, c'est que
Il y a des mondes vraiment, c'est dans la mort, probablement la justice capable de poursuivre, même genre, et famille, Augusto Pinochet, avec Salvador Allende, famille Allende, on te dit, il y a poursuivre Augusto Pinochet, même dans le jour entièrement là, même dans ce cercle-là. Donc, il dit que, pour cette électorale provisoire, là, mettons bonnet impunité dans tête candidat, yo. Yo intouchable, alors que, gagnent qui siégeait, gagnent qui c'est des honorables, qui gagnent des contraventions judiciaires. Alors ce que pendant yo honorable et puis yo candidat donc on y a là même si mandat ou vin fini dans parlement, dans sénat ou bien dans chambre député, yo toujours gagnent immunité parce que yo candidat. Et si yo vin candidat là ou vin bon dans fonction, ça veut dire yo pral regon l'autre immunité encore, c'est des moun que ou pas jamais joindre trou vide pour poursuivre yo. Donc qui je comprendre ça vraiment. On y croche ça gagne. Je suis bien content de question ça. Bon, je voulais élucider pour tout le monde. D'accord. Alors, par rapport à candidat en général, il dit que pendant candidat, il n'y a pas qu'à arrêter. Pour qui ça, il dit ça, c'est par rapport à ce que justement dans l'élection en Haïti, il n'y a pensé que pouvoir, quand notre situation, côté que le grand candidat n'a pas perdu, oui, rapport de force. Il a arrêté l'autre là. Rapport de force. C'est ça. Mais, pas oublier, y a le droit pour qu'on arrête de en prise de corps, mais instruction à continuer. C'est-à-dire que si pendant que y a beaucoup arrêté là, ça va pas empêcher que l'instruction qui a fait contre vous continuer, ça va même empêcher que vous condamnez. Et dès que vous condamnez ou l'on t'a condamné, eh bien immédiatement on va éligible encore. Donc, je dis à, y a empêché que pendant ta campagne là, gagner en prise de corps, bon contrat qui est exercé pour vous, parce que au-delà de la pas simplement un bagage criminel ou délictuel, il y a son bagage politique, mais ça n'a pas empêché que le juge d'instruction lui rende ordonnance, lui voit devant le tribunal, et que dans le tribunal là, il condamne, et dès qu'il condamne, même si son élu, immédiatement, ou perdu, justement, eh bien, siège ou. Okay. Parce que, comment ou même au cas après du siège ou pour le moment en Haïti, c'est que sous condamné à une peine affective et infamante. Donc, dans ce sens, si vous arrivez et député ou sénateur, et sous commettre vraiment une infraction grave, laissez un juge là, si que les besoins tant d'eau, les commander lever immunité. Donc ça n'a pas empêché que vous m'avez vous caparez devant. Ou si on va lever, laissez un, y'a qu'à condamner quand même, même le ou député ou sénateur et le du siège. Moi, je crois que notre société a lié pourtant pour chaque monde vos responsabilités. Je vous dis à un député sénateur ou bien pour légiférer, pour contrôler, faut prendre, mais on est qui magistrat tout. Eh bien, moi, je crois que, je dis à fond, nous mettre courage, là. Aussi, au parlementaire, eh bien, le commet un acte, eh bien, il faut que, justement, lui faire instruction, lui demander lever immunité, parce que, justement, société a dû équilibrer. Et dans ce sens-là, si mon yo pas pris courage, yo, pour yo faire travail, yo, eh bien, on va toujours penser, qu'il y a un force côté. Mais, ça va empêcher que, eh bien, on juge d'instruction, même le papa fait, livre devant le tribunal compétemment réuni, qui lui-même qui a pris une décision. Donc, il faut arriver à équilibrer ça dans la société, hein. Côté que même le homme ou élu, ou pas un monde qui est justement au-dessus, justement, de la loi. Okay. Et deuxièmement, là que, ou gain immunité qu'on gagne, ou gain immunité dans acte composé comme député ou sénateur. C'est-à-dire que si tu prends la parole pour te dénoncer un gouvernement, pour te dire une corruption, eh bien, quel que soit ou vienne pas député encore, il n'y a pas qu'à arrêter ou il n'y a pas qu'à poursuivre pour parole ça qu'on te prend à la tribune, comme député, comme sénateur. Mais par l'autre acte personnel ou bien crime qu'on t'a commettre. Le ça ou pas gagner immunité sur yo. Yo gen droit pas qu'à arrêter pendant député, mais y a poursuivre yo pour yo après. Et sous crime délictuel ou bien quelle n'importe sorte qu'à commettre. Mais sous acte législatif, côté posé, en parole, côté dit, en bagaille côté accompli pendant que député a pour l'assemblée, yo pas qu'à poursuivre même après qu'on vienne pas député. C'est-à-dire, immunité a, les restreint simplement à acte législatif yo. Pas à crime ou à délit qu'on t'a commettre pendant que là. Ok, bien, c'est bien. Mais DCPJ fait nous connaître que ils mettaient en défi avec Conseil électoral provisoire là pour ta baillon bonne vie et mœurs à Guy Philippe que yo même DCPJ yo t'a délivré avec Guy Philippe. Qui on comprend ça? Ah bon, qu'on y a une question divine intéressante. Ça veut dire que nous voilà comme parlementaire.
li important pour nous demander ce EPA, eh bien, déclasser dossier ça, tout à fait. Pour nous garder, tout à fait. Ça donne. Mm-hmm. Moi, je crois que l'idée est extrêmement importante, et commission intérieure et collectivité, qui est responsable question élection, mm-hmm. et dans le Sénat, l'Italien, pour nous demander de déclasser dossier, pour le vérifier, puisque si c'est pas ça, moi, je crois que c'est un extrêmement grave. Non, grave ici même, sénateur, président. Ah ouais. Comment faire, loi électorale en clair, ni by condition, parce que qui peut le plus, peut le moins, c'est comme avocat, sénateur qu'on est, ni, principe élémentaire, ça en droit. Et si son n'importe moun, quel que soit moun, né, hein, ou pour l'inscrit, conseil électoral pour faire injonction, mais qui pièce pour gagner pour inscrit. Donc voilà, je dis, hein, nous devant la République, si Guy Philippe te joint un certificat bonne vie et mœurs, faut que, yo analyse pour qu'on ait, est-ce que sont vrais, est-ce que sont faux, et là encore, dit encore grave, s'il t'a un faux, en écriture publique, et une conduite conséquence, ça capable de gagner, d'elle, et si c'est un monde en dans ces DCPJ, par connivence, qui t'a glissé le bail Guy Philippe, on l'a de côté de charger encore, sénateur. Ah ouais, parce que, question ça a soulevé là, bon, bien, extrêmement grave, et dans ce sens ça, nous avons toujours demandé pour élucider des questions, déclassement, bien sûr, mm-hmm. pour nous vérifier exactement, et qui s'active au niveau de ce EVA. Si le CBJ t'a dit, vraiment dit que les pas de bail pièce là. Yes, parce que son pièce qui est obligatoire. Oui. C'est pas une pièce qui est facultative, non? Mm-hmm. Dit obligatoire. Obligatoire. S'il va gagner un dossier, mm-hmm. eh bien, candidat, il n'y a pas qu'à recevoir. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Non, même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Yeah. D'ailleurs, à l'issue, il était déterminé, sous va gagner toute pièce ou pas qu'à inscrire. Par rapport à l'année antérieure, au côté où tu as accepté ou sous réserve. C'est vrai. Donc, sénateur, au fond, intervention dans mes co-collaboratrices, nous, dit Alexandre, côté aucun B déclaration qui sortit dans résolution Sénat, t'es voté pour remplacer agent ministériel par une force militaire. C'est ton résolution? Non, c'est pas une résolution. Mm-hmm. C'est que nous avons une rencontre que nous avons fait avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, mm-hmm. qui demandait nous exactement qui ça veut faire nous 15 avril, côté que mandat ministre a fini. Et nous te dit que normalement, faut nous préparer à les ministres. Nous pensons que si nous voulons pour 6 mois, et pendant ce temps, pour le finir le 15 octobre, mm-hmm. mais pendant ce temps, il faut que nous mettions en police professionnelle sous pied et en armée de métier. Okay. Police professionnelle, là, moi, je pensais que hier, mon cérémonie était faite dans l'académie militaire, là, côté que nous avons 2500 cadres dans la police, mm-hmm. et ils ont commencé formation, okay. formation inspecteur, commissaire, et non parler avec l'état-major de la police là, côté nous est nécessité pour que en plus de l'école de police qui vient là, mm-hmm. Qui va recevoir des jeunes en formation, mais faut y gagner ou académie de police pour former les cadres, mm-hmm. c'est-à-dire inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, commissaire municipal, commissaire principal et commissaire divisionnaire. Donc, nous croyons que nous-mêmes, nous allons regarder comment pour y mettre moyens pour que nous gagnions académie militaire, ça, dans la zone de Gatier. Académie, pour, excusez, de police. Okay. Dans la zone de Gatier. Mm-hmm. Mais en même temps, tout, nous avons environ sous territoire, environ 130 à 150 d'officiers et de soldats. Mm-hmm. Et monde qui est étudié, et jeunes qui est étudié Équateur. C'est ça. Actuellement, ils ont affecté Tirigel à Tibonite, ils ont affecté dans la zone Miragouane, et on a ministère de la Défense. Mm-hmm. Donc, nous t'ai dit que faut nous mettre moyen pour au moins année ça, nous avons augmenté le nombre là à 500, mm-hmm. et yo même, yo t'ai qu'à continuer le travail à faire, c'est l'environnement, et protéger bassin versant yo, mm-hmm. intervenir en cas de cycle de désastre, et continuer le travail ça en attendant que vraiment nous ayons effectif là qui a également aller protéger frontières nous. Okay. Moi, je crois que dans le budget, il faut nous mettre comme pour ça. Parce que, Bob, c'est la police et l'armée, yo complémentaire, mm-hmm. yo pas parallèle. Oui. La police là pour protéger moun qui vivent un territoire, mm-hmm. il a mis là pour protéger les territoires. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, je dis à souti la police, la fait ou l'armée, c'est-à-dire que, ou passer dans une situation qui n'est pas bon, mm-hmm. puisque la police pas qu'à faire ou l'armée, même entraînement. Souti l'armée a fait ou la police, je le dis dans l'armée d'Haïti, il n'est pas bon tout, okay. puisque l'armée a l'entraîné pour le protéger le territoire, c'est-à-dire que, pour attaquer n'importe qui est, on avait besoin de rentrer dans le territoire. Alors que la police est là pour protéger les citoyens qui vivent là contre d'éventuels bandits. Okay. Ou bien,
auxiliaire de la justice pour l'exécuter lors de la justice. Mm-hmm. Donc, moi, toujours, fait comprendre, depuis 1995, n'a vivre sans la mer, nous toujours on sorte de situation sécuritaire instable, mm-hmm. puisque, autrefois, c'était l'armée qui avait joué le rôle de police. Je dis à nous, vingons la police qui a joué le rôle de l'armée. C'est ça. Donc, il est important que nous-mêmes, je dis à que nous voulons mettre l'institution sous pied, la Cour de cassation, le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, le protecteur du citoyen, tout pour rétablir les forces armées d'Haïti qui, lui-même, pourra jouer un rôle complémentaire avec la police. Okay. Moi, j'ai dit pendant le discours le 7 février, nous, d'accord au niveau du Sénat, que n'a pas avancé à pour un grand débat dans la société, et il faut nous arriver qu'on est là pour nous voir comment jeunes qui l'ont, pour nous qu'aimer, yo, former, yo, et nous-mêmes, nous aider nous tous en cas de désastre, puisque je dis à et ça qui est passé dans le sud-là, l'armée dominicaine a besoin d'entrer dans le pays. Mm-hmm. Alors que je dis à nous, il y a des jeunes, si ils font une mission entraînée, il y a beaucoup mieux que les Dominicains qui ont fini là. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est haïtien. Et deuxièmement, au niveau d'endurance, au niveau de formation, nous toujours, que individuellement, soldats haïtiens sont toujours plus corrects que soldats dominicains. Okay. Au niveau individuel. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que je dis à il est grand temps. Et après, c'est pour nous, que nous t'es cité avec tout l'état-major, là, nous disons, qui ça nous besoin à police, une plus professionnelle, pour plan de développement qui a gagné de 2017 à 2020 à nous appliquer. Mm-hmm. Mais en même temps, tout nous disons que de notre côté, nous allons voir le ministre de la Défense pour que nous également, ouais, comment ça a besoin pour que l'armée aille casse au pied. Non, langage militaire, là, yo, apprenons, non, ordre plus contre-ordre égale désordre. Oui, dis-nous, non, sous quel leadership, officier et soldat, ça va fonctionner? Très bien. Jusqu'à présent, yo, sous compte le ministre de la Défense. Oh, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, mm-hmm. qui lui-même, justement, gagnait, allemand, ouais, comment ça a besoin pour que l'armée aille casse au pied? Non, langage militaire, là, et yo, apprenons ordre plus contre-ordre égale désordre. Dis-nous, non, sous quel leadership, officier et soldat, ça va fonctionner? Très bien. Jusqu'à présent, yo, sous compte le ministre de la Défense. Oh, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, mm-hmm. qui lui-même, justement, gagnait des responsables de base, yo. Ou jeune des anciens officiers qui l'avaient, ou bien des officiers qui sortis de étudiants en Équateur, mm-hmm. c'est eux-mêmes qui restent sa base, puisque dans la Tibonite principalement, que noté, ouais, bien, toute mobilisation, équipement que Équateur t'a quitté, et ces jeunes officiers, ça, yo, qui utilisent eux et qui dans zone petite rivière de l'Artibonite fait maintenance dans route yo dans canal yo et yo même yo directement sur le commandement du ministre de la Défense il y a des délégués qui souterrain avec eux mais audio vini directement du ministre de la Défense. Est-ce que budget là gagne provision pour eux sinon ce que rubrique yo paye yo? Eh bien, budget, dans un premier temps, pas de gain provision. Mm-hmm. Et c'est là, ça t'est bâti petit problème, côté certains officiers étaient même entrés en grève. Même quoi que, ils ont été venus rétablir, côté que, il y a un budget de salaire, donc, a dit, qui est établi pour eux. Mais, nous avons un budget vraiment de fonctionnement, côté, on a dit, pour messieurs, pour uniformes, mais jusqu'à présent, quoi, il y a un salaire, là, qu'assuré. Et me penser dans tout nouveau budget, là, extrêmement important, que, un budget de fonctionnement. Parce que, bon, ma pas simplement dire, on va gagner. Mm-hmm. Le gagné cyclone qui passait dans Grandos. Notez, ouais, officier ça, c'est eux. Ah oui, il y a un peu de main. C'est vrai. Il était monté également dans non. Mm-hmm. Et alors que, nous, ouais, l'autre officier qui était sorti dans le pays Colombie, Venezuela, là, il était venu, au fait 15 jours et puis aller. Mm-hmm. Alors que, notez, ouais, son aide-urgence. Mm-hmm. Alors que, ni question réhabilitation, ni question reconstruction, eh bien, où t'es besoin toujours militaire qui t'es doué sous place. Okay. Pour continuer de travailler. Mm-hmm. Donc, moi, que je dis, là, et au moins, tout le monde, qui a des problèmes sur la question de l'armée, dans la question infanterie, dans la question opérationnelle. Mais tout le monde d'accord dans la question de l'armée sur le plan de réingénierie, sur le plan de aide, au niveau de désastre, sur le plan de construction. Moi, que tout le monde d'accord sur ça. Et faut commencer sur ça, tout le monde d'accord, en attendant que plus d'explications baillent pour que l'armée, quand je opérationnel lié au niveau de l'infanterie, au niveau de la marine et au niveau de l'aviation. Donc,
nous déjà 150, si nous avons 500, ça fait 650. C'est des officiers, des soldats qui vont le placer dans des points tout à fait stratégiques, tant qu'on port nous yo, frontière nous yo. Et nous-mêmes, nous demandons, est-ce que nous n'avons pas besoin de présence des membres en dedans comme ça, tout pour marcher nous yo, en prenant le marché du port, marché quoi, beau sale. Et c'est presque chaque semaine, sénateur, chaque mois, c'est des déficits énormes, nous n'y en fait en bas. Oui, bon, sous question ça, on passe gon étude qui était faite, puisque premier l'armée que nous dégainons, l'été gagné on déploiement, on a dit que occupation américaine n'a pas été pour nous. Mm-hmm. Il était un déploiement de style police à travers le territoire. Okay. L'armée en général, pas un déploiement, moi qu'a dit dans n'importe quel pays, on va jouer l'armée dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. Mm-hmm. L'armée regroupée dans des bases, côté stratégique, côté à partir de points ça, un espace dans le territoire là que les cas protégés. Okay. Mais, sans ce dire là, et je dis à ce paraître, Nayo pour Charles de Gaulle ou Orly à Paris, ou avoir des militaires qui là. Oui, oui. Là, qu'il y a des problèmes qui posaient, l'armée a déployé un renfort de la police. Mm-hmm. Et me pensais que, je dis à, par rapport à protection de Timachanio, par rapport à problèmes à qui qu'on posait, eh bien, dès là, l'armée était qu'à déployer pour venir de la police, que lui prend information nécessaire, que lui résout le problème là, et que lui retourne dans la base lui. Okay. Mais, L'anti-gens dangereux, leur quitter l'armée, jouer le rôle de police. Moi-même, moi, j'aime voulais que l'armée joue le rôle de police. Parce que dès que l'armée joue le rôle de police, tout problème tombe sous de l'armée. Oui, c'est vrai. Parce que l'armée, le SAA, rentre dans répression de citoyens. Mm-hmm. Et citoyens, lui-même, justement, l'armée qui peut entrer, mais lui, qui a mal fait. Et citoyens, le SAA, lui, monte voile, lui, protester. Et l'armée, trouvait dans des situations extrêmement difficiles, je le disais avant. Donc, l'armée, certaines fois, qu'a vu un renfort de la police, mais normalement, l'armée doit, au niveau de base, lui, occuper surtout d'entraînement et de protection pays en matière de développement, soit dans les routes, ou soit d'intervention en matière de désastre. D'accord. Donc, président Kalkito Ale, merci les faits que tu as accepté l'invitation. Mais donc, dernière question à poser, c'est sur tous les réseaux sociaux, à travers les oui-même. Et moun yop dégagé des opinions. T'as laissé comprendre que, dernière résolution, les vins coupent patate chaude dans le président Jovenel Moïse, qui probablement a traîné de elle des conséquences lourdes. C'est soit Jovenel Moïse est allé là avec résolution ça, les vins entre l'enclume et le manteau. Si le pape publié l'après fait face avec des conséquences les partisans de Guy Philippe Moun Jérémy dans Jean ou comprendre arrestation Jean information déjà circulée autour de lui et même nous même dans grand corps nous été épinglé par les mauvaises langues sous arrestation ça et Sylvine publié a bon conséquence en conséquence internationale en fonction des rapports état état et au gouvernement qui joue jeudi hein, c'est vrai que n'a fait des prévisions, c'est vrai que n'a fait des éloges, c'est vrai que nous gagne des revendications en pile parlementaire premier ministre joindre li pour mettre pour la satisfaire mais nous pas ca satisfaire avec meg recette que n'a gagne là et budget nous faut que nous joindre support international là donc tout ça capable et gagne là des conséquences. Est-ce que vraiment son résolution à dessein? Est-ce que qu'on est vraiment l'État pral Marie-Pierre, président de la République, non? Et moi, je pense que à ce niveau, ou gagner l'orgueil institution sous pied, faut que ou toujours garder ça à la loisir. Mm-hmm. Et c'est dans le cadre des résolutions, et c'est dans une résolution par rapport à un événement pour exprimer, je garde au vœu, position assembléaire. Mais président lui-même, ils ont demandé président pour que lui renégocie convention. Très bien. Et que dit justement les conventions de Genève, c'est de Vienne, excusez, convention de Vienne, c'est que on convention justement c'est que convention ça a li gen trois étapes pour adopter il gon une étape soit demandé ou négocier. Okay. Pour adopter une convention au niveau international que ce soit bilatéral ou multilatéral, eh bien convention, faut que, ou négocier, ou signer, et puis, ou ratifier par, et parlement PIA. Mm-hmm. Qu'on y a, si qu'il y a un problème là-dedans, président PIA a le droit de dénoncer. Donc, je dis à, nous demander, président, justement, fait exactement ça, moi qu'a dit, au niveau international, tout le monde accepte.
Parce que n'importe quelle convention qu'on gagne, ou bien droit dénoncer, et là, ça a payé à gagner droit faire deux bagailles, ou bien le chita lui négocier l'avant, ou bien il dit que le va pouvoir négocier. C'est ça. Donc tout ceci rentre au niveau, m'gadi, de loi internationale, yo, de convention internationale, yo, parmi lesquelles la convention vienne, côté que, justement, yo reconnaître que le fait. Okay. Et yo pas mandé président à fond bagaille qui est illégal, nous mandé par rapport aux relations internationales, dénoncer en convention que, au niveau de pays, yo pensé que gain des points, gain des points, justement, qui que, font yo éclaircir, et là encore, vendu, dans la convention, il y a des qui m'a même souligné et qui ont demandé pour renforcer tout. Donc, moi, je crois que jusqu'à présent, le président a référé à normes internationales pour que lui-même lui font demande et ceci en bonne et due forme accepté par tous les pays. En toute sincérité, comme président, j'aimerais te renvoyer ça, voyez mondial là, avec nous. En toute sincérité, qui sont ta conseiller là d'aider à publier ou bien font retasoler? Moi, je pense que le président doit référer la norme internationale, yo, pour que lui-même y agisse. Lui pas doit être en dehors de normes, yo. Et il y a des normes que nous prévoit les pays. Et je pense que faut réagir. Et dès qu'il réagit dans les normes, le ça, on pays, on pas d'accord à ça le dire. Mais, justement, lui respecter normes, yo. Et moi, j'ai aimé le rester dans le cadre normes, yo. Que, qui gérer les relations internationales, ça, yo. Le plus grand problème qui posait dans les conventions. Merci beaucoup, Président. On a pris un dossier président de la République. Là. Et Bob. Oui, oui. Allô? Oui, oui. Oui, je m'a profité de rappeler que jeudi, au niveau du Parlement, nous avons l'Assemblée nationale. OK. Et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est deux chambres pour réunir à 11h, puisque nous gagnons 5 conventions que nous devons voter depuis le mois de janvier. Nous devons voter une des conventions sur l'accord de Paris. Accord de Paris, et sur la question de l'environnement, nous gagnons qu'on y a sur la patrie, sur le cas des apatrides, sur les droits civils et politiques, et je dis à députés sénatoriaux, ils ont convoqué en Assemblée nationale à partir de 11h pour que nous puissions voter ensemble de conventions que normalement, dans le cadre des relations internationales, nous devons voter puisque il y a des engagements que déjà pays a été pris par rapport à eux. Merci sénateur Latorti pour disponibilité. On a pris le c'est président sénat haïtien. Bonne journée. À moi de vous remercier. D'accord. Merci, amis auditeurs. Il se passe libre opinion avec nous matin, président Sénat, sénateur Youri Latortue. Donc, président, toujours honoré, il t'a dit, Jacques. Imagine aussi, au cap, mais, un débat. Alors, que, il n'y a pas qu'à monter tribune, non, pour aller dire ça au senti. Vous comprenez, ça me donne, là, on joue un espace, ça, yo. Et encore mieux, où tout qu'on est, ça, cap, dégager, la caille, yo. Donc, Jacques, nous, qu'elle fait place avec vous. Il y a un jeune barreau Port-au-Prince qui célébrait 5 ans d'existence, dit, je n'ai pas dit 21 mars, là. Occasion pour jeune barreau, hein, rappeler objectif. Yo, pour remembrer le système nan, et puis honorer quelques gros personnalités dans le domaine. Nan. Action publique déjà mettait en mouvement contre certains mondes après gros diffus qui a éclaté dans le marché Kouabossal dimanche soir pour l'ouvrir lundi matin. Commissaire gouvernement pour le président, M. Jean Danton Léger, qui annonçait enquête pour qu'on ait vraie origine du feu ça, mais nous voulons engagement pour faire travailler comme ça doit, mais pour lumière faite autour des questions ça. Yo. Et puis, c'est en commission plusieurs membres qui gagnent là-dedans, les représentants différentes facultés. Qui pourra le pencher sous cas 17 étudiants, comité discipline électorale, et mettez d'ailleurs. Cependant, il n'y a pas beaucoup désiré, même commission ça, selon un membre des canards, l'école normale supérieure, pour ce Béran Sénatus, qui était parlé avec Ganito François, n'a pas de la mi-temps journée. Et puis, grand reportage à Cindy Régis, là, on a venu avec les amis auditeurs, c'est demain matin, son reportage qui est très important, c'est plusieurs prisonniers qui ont mouru dans la pénitentiaire nationale, à dans la prison civile, l'autre région dans le pays. Situation ça, la cause, en pile spécialiste dans la question médicale avec judiciaire, après interpeller responsables pour encadrer prisonniers dans le bon genre soin à traitement qui a évité de mourir. Spécialiste dans la question de droit prisonnier, souligné, même si nous sommes prisonniers, c'est droit les gagner pour vivre de bonne santé. C'est bien. Jacques Adler Jean-Pierre, bonjour. À moi là et Bob, à moi là et tout le monde, on est respect dans page culturelle, journal Grand Boulevard, pays d'Haïti invité pour participer dans l'organisation activité cap célébrer mois francophonie dans pays Mexique côté manger créole haïtien avec poésie créole haïtien pour le partager avec l'autre peuple pendant 10 jours 25 avec 26 mars 2017 cap poche là pour être haïtien plasticien couture la voix au pont
donné son invitation ambassade pays d'Haïti dans Mexique pral 10 poèmes non parmi divers autres artistes étrangers tant coup Mina Gossi cap sorti dans pays Bénin, Hubert Antoine cap sorti en Belgique, Daphné B Québec, Paul Bossé cap sorti dans pays Canada pour ne citer Silao seulement dans alliance française Polanco dans la nuit de 25 à 26 mars là dans même programme là à partir 8 heures dans Assoué bien et on récital de poésie francophone avec poésie créole et avec une exposition drapeau vaudou pays d'Haïti. L'autre point la page culturelle là pour matin race et couleurs chez Jacques Roumain, c'est titre livre Michel Acacia qui fait que publié dans Citoyen édition race et couleurs chez Jacques Roumain et un texte cap mené lecteo dans quelques Ven dans Zerve Jacques Roumain, y a pas de jambes qu'on ait déjà. Le point toujours, m'a dit 28 mars, Cap Vinila, à partir 10 heures dans le matin, Michel Souka a fait une conférence pour la presse pour le présenter les 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti 1915-2015. Un livre collectif qui joint une contribution, plusieurs textes, diverses qualités couplimes la donne. On a Claude Prepty, Éric Pierre, Léon Pamphile, Lucie Carmel, Paul Austin, Sabine Malbranche, Réginald Moïse, Jean-Claude Fignolet, c'est quelques parmi contributeurs dans le livre collectif SILA qui relaie 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti 1915-2015. Notre point dans page culturelle toujours pour matin, mardi conférence, c'est une série conférence, c'est toi édition, on mettait sous pied chaque mardi à partir 4 heures dans l'après-midi dans un nouveau local qui est sous Tijoua, parmi thèmes qui cambait dans le programme ça, un nouveau programme ça, qui est les mardi conférence, mardi conférence en créole, parmi thèmes, on a besoin mardi 28 mars 2017, cap proche là, ancien député Vikens Derilus, cap pour faire une intervention sous thème pour qui ça politicien haïtien pas cabaye résultat 4 avril 2017 là sénateur Yuri la Tortue et cap gain pour le parler sous rôle parlement haïtien dans développement Haïti. L'autre point toujours, pas oublié, vendredi 24 mars, cap proche la comédienne Cynthia Jean-Louis refait son show. Comédienne road pot, nous gagne dans le pays, qui participait dans plusieurs projets théâtre et cinéma tout. Et lui-même la préfère et la faire public la vini encore en Caraïbes 24 mars cap proche là au côté monde qui pas de chance pour te voir et show Cynthia elle était présenté lui dans Caraïbes première fois. Nous-mêmes, nous avons rendez-vous 24 mars qui venir là, dans Caribé à partir 8 heures dans Assoué 4, dans la librairie La Pléiade, et puis dans Giant 2, à chercher pour 40 dollars américains pour regarder Cynthia refait son show dans Caribé. Pas oublier, toujours vendredi 24 mars là, dans Jacques Mel, c'est trois avec Centre Culturel Charles Moravia, a organisé une latri activité pour mettre les œuvres Michelet d'hiver dans main élève l'école, dans Caribé. Yon hommage Foukimage production ak Mary Jacmel la invité tout moun Jacmel a pati 6 heures nan Assoué nan Mairie nan yon soirée chantée ak poème nan Mairie même et yon Herbie François qui déjà mobilisé guitare ak voile pour la chanter et chanter Léo qui soit album ni et pour moun Jacmel nan cadre programme ça un programme côté n'apprenne Michel Diver hommage que le mérité nan matin vendredi 24 là a bien intervention dans IDEF ak dans Alcibiade Pomirac avec des écrivains écrivain Georges Griffin avec Pierre Josué Agenon Cadet faut rappeler c'est trois éditions accent culturel Charles Moravia plus Foukimage production grand Michel Diver hommage Silla grâce à Bourade sénateur Joseph Lambert tout livre Michel Diver qui publié dans ces trois éditions disponible pour public là pour public là qui vient garder tout
Non, même vendredi à sous place Toussaint d'ouverture, il y a un film Arnold Antonin qui relie Herbie, le jazz et la musique haïtienne. Il y a un film qui est entré dans le cadre du festival cinéma Zamitaï, là, cinéma de l'amitié et Cap Marché sous deuxième mois depuis Moun Jacmel a regardé film sous place publique grâce à Bourad, le ministère Kilti, artiste institut Foukimage, radio Twitter FM, radio Peupla. Je suis des stars de télévision Caraïbe, Espace FM. Voilà. C'est là la boutte, mais on va nous aller. N'a plus un petit bout de texte, Franck Etienne. Tout. Oui, Bob. Production.